Seine-Saint-Denis, au moins 22 blessés après une explosion dans un immeuble à Aubervilliers. Une explosion est survenue tôt ce vendredi 4 mars dans un immeuble d'habitation d'Aubervilliers, Seine-Saint-Denis. Le bilan provisoire fait état d'au moins 3 blessés graves et 19 blessés légers. Les pompiers interviennent ce vendredi 4 mars rue André Carman, à Aubervilliers, Seine-Saint-Denis, dans un immeuble. Une explosion a eu lieu aux environs de 5h30, au quatrième et dernier étage de l'immeuble. Le haut du bâtiment s'est en partie effondré. On ignore encore l'origine, mais des agents de GRDF sont sur place et le gaz a été coupé dans toute la rue. 3 habitants sont gravement blessés, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Il y a aussi une vingtaine de blessés plus légers. Par précaution, les habitants de 2 immeubles autour ont été évacués. L'incendie qui a suivi a été très vite éteint par les pompiers qui sont maintenant en train de consolider la structure de l'immeuble. Les chiens sauveteurs sont sur place pour aider les secours à rechercher des victimes éventuellement bloquées à l'intérieur de l'immeuble. Les pompiers invitent les riverains à éviter le secteur. Un imprimeur voisin a accueilli les riverains évacués au milieu de la nuit et la mairie d'Aubervilliers a ouvert un gymnase.